ça va ce soir. Alors, j'étais en train de regarder les succès d'Outer Wilds. Hier, j'ai eu ta terrible destinée. 11% des joueurs, quand même. Toute la façon de jouer, la façon de, et l'ordre dans lesquels tu découvres les choses n'est pas classique. C'est un mix entre hasard et réflexion, toujours étonnant et du coup agréable à regarder. Oh, bah, tant mieux. Je sais pas si vous voyez, mais on a de la compagnie ce soir. Voilà, donc si vous entendez des ronronnements, c'est tout à fait normal. En vrai, je crains qu'on n'arrive pas à finir ce soir. Je sais pas, on va voir. En fait, je sais pas trop, du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais bon, on va faire classique. Et puis on verra ce que ça donne. Je vais retourner sur sa bière noire. Et je vais juste attendre de voir. Et ne pas rentrer dans le trou noir à la fin. Pour ne pas me dédoubler et créer de failles temporelles. Mais on a fini le jeu. Sauf qu'on a fini le jeu de manière peu classique, je dirais. On a créé une faille temporelle. Ce qui fait que bon, bah, j'ai pas eu la fin en fait. Voilà. Du coup, bon, je me doute quand même un petit peu de comment finir, mais je suis pas sûre à 100%. Tu vois, Silicium m'a fait faire toutes les fins. Sinon, il butait ma famille, c'était chouette. Carrément, quoi. Quel est ton plan? Comme je disais, aller sur sa bière noire. Je vais peut-être dormir un petit peu, là. Faire une petite sieste. Ah, je peux pas, là? Comment ça? Ah oui, c'est là. C'est là. Pause sieste. Peut-être faire une petite sieste. Aller sur Sablière Noire, attendre la fin du monde là-bas, ne pas aller dans le trou noir de la fin. Et ouais, je crois que c'est ça. J'ai pas d'autre idée. C'est pour ça que je vous dis, ça se trouve, on va pas finir. Hein. Genre même la fin est une énigme. Il y a le chat qui est en train de regarder les petites, les petits bouts de cendre là qui s'envolent. Ok. Trop mignon. Si je peux vous le montrer. Regardez, il est à fond. Bon allez, je vais arrêter là. On a 22 minutes. Ouh, c'est un peu fort. Je baisse. Ça va là, le son? Ça se trouve, on va finir hyper vite. Peut-être que ça va mettre 3 heures. J'ai aucune idée. Ça m'a l'air très proche, mais bon, c'est peut-être dans ma tête. Tu peux monter un poil le son, tac. Le son du jeu, hein. Donc, s'habiller en noir. Mais maintenant, je suis à bout, patience. Comment ça va, Sylvain? Non, pas les boutons, non, pas mes boutons. Non, pas les boutons. T'as vu qu'il y avait plein d'autres sons, Sylvain? Non, non, il va jouer avec maintenant. Qu'ai-je fait? Alors. Du coup, nous allons sur les tours des sablières. On va aller sur le projet Sablière Noire direct. Et du coup, Toxin, t'as réussi à finir t'as fait toutes les fins? Au final, j'imagine que oui. Mais il y en a tant que ça? J'étais pas prête. Ah. Je savais pas qu'il y avait plusieurs fins possibles. On m'avait pas prévenu. Il y a une fin. T'en as fait pas mal. Alors t'as fait pas mal de fins, mais il y a une fin, d'accord. C'est pas très très logique. Ouais, allez, faut qu'on aille sur sa bière noire. Ouh là là. Allez. Hop. Schlack.
C'est ça, hein. J'espère que je me trompe pas. Hop, on va aller attendre ici. Mais non, c'est pas des fins qui concluent le jeu correctement, on va dire. Ouais, je vois. Ouais, non, j'avoue que je me suis un petit peu sentie limitée hier. Hein. Le reste est du bonus, ça change pas la vision du jeu. Je compte 4 ou 5 vraiment différentes comme ça, de tête. Ah bon ? On peut voir le plan de la boucle ? On peut avoir le plan de la boucle ? Je sais pas ce que tu veux de moi. Je veux juste aller sur cette billard noire et puis attendre de crever là-bas. Et ne pas aller dans le trou noir. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais peut-être pas, quoi. Mais non, c'est pas des fins qui concluent le jeu correctement, on va dire. Mourir. Attendez, le chat est en train de tomber. Ça va peut-être être compliqué avec le chat, hein, mais bon. Je sais pas ce qu'il a, il me fait jamais ça habituellement, d'aller sur mes genoux. Bah ça va être... Ça va être plan. Plan plan. Longue. Réception de données par le masque. Mais je sais pas, par les masques en provenance de modules de pistage. Statue mnémonique de Léviat. Il y a 13 minutes et 2 secondes données de tes précédents cycles. Attendez, non, il y a quand même un truc que je veux tester. Je voudrais essayer d'aller au milieu, mais sans que ce soit la fin de la boucle. Parce que je pense que si je me suis dédoublée, c'est parce qu'il y avait le trou noir. Parce qu'on était... On était à la fin de la boucle. Du coup, je voudrais tester d'aller voir le milieu. Hier, j'ai pas osé. Enfin, si, j'ai osé la première fois, mais pas la deuxième. Alors, il y a un truc que j'aimerais bien tester, mais seulement plus tard. Une fois que j'aurai fait la fin, si jamais je termine. Je voudrais tester... Ah ouais, mais non, mais là, du coup, on va faire crever tout le monde. D'accord. Du coup, il n'y a plus de lumière. Oui. Je sais plus ce que je disais, merde. Oh, j'ai une idée. Ok. Ah ouais, c'est bon, je crois que j'ai... J'ai envie de faire un truc, mais on va pas pouvoir là, sur cette boucle. On fera ça plus tard. Je vais enlever le générateur, puis on va voir ce qui se passe. À mon avis, je vais avoir une fin. Qui sera que il y aura plus de boucle. Je sais pas quoi faire. J'ai fait sauter le fusible, la bunny, le projet. Oui, voilà. Ça coupe la musique. Ouais, ça va être long, là. Sans la musique. Je sais plus ce que je disais, du coup. Ok, je... Oui, il y a une fin que je voudrais tester. C'est refaire comme, la... comme hier. Sauf que je voudrais retourner plusieurs fois dans le trou noir pour voir si on peut... avoir plus que une fois nous-mêmes, enfin... Avoir plus souvent que ça. Et alors là, je voudrais tester... Tester d'aller sur Sombronce avec le générateur et de l'insérer dans le vaisseau. Ça devrait pouvoir être possible, ça. Mais bon, pour cette boucle, ça sera trop tard, étant donné que j'ai fait la sieste. La gentille voleuse, elle enlève le truc et elle reste voir. Oh non, la musique, elle, c'est plus la même. C'est plus tout à fait la même.
Est-ce que je vais pouvoir refaire? Salut Poupou. Ouais, t'as raté des trucs, Kiryu. Est-ce que même si là on... Est-ce que je vais quand même pouvoir refaire les autres fins que j'ai envie de faire? Salut, salut, on teste des fins. J'ai pris le générateur, je suis une connasse. Iryu, t'as rien raté? Ouais. On se l'a dit, avec ce que je vois, je pense avoir une idée de ce que tu as fait, oui. Regardez, la musique est plus la même. C'est trop beau. Bon. La musique est trop belle. Pourquoi t'as fait ça? Dites-moi que je vais pouvoir retester d'autres fins. Je sais ce qui va se passer. Je sais. Je sais ce qui va se passer. On va pas pouvoir revenir. Là, ça coupe la boucle. Ah oui, j'ai pris le trésor. Oh là là, la musique est belle. On va regarder la supernova pour la dernière fois. Rouge, ouais, tu m'étonnes. Je me suis maquillée, mais je crois que j'aurais pas dû. Je vais peut-être pleurer. J'aurais dû prendre le vaisseau, ouais, j'avoue, c'est un peu long. Hein. Mais moi, ça me va, la musique est trop belle. Je vais prendre ma fusée. Par contre, je vais pas me faire bouffer par le soleil. On se casse. Je veux pas mourir à cause du soleil. Est-ce que je suis assez loin ou pas? Oui, j'ai pris le générateur. Je le prends pas pendant deux boucles, mais en même temps je pouvais pas le prendre. J'ai été directement dans le trou noir la première boucle. En fait,
La première boucle, je me suis approchée pour voir ce qui se passait. Ce qui s'est passé, c'est que c'était déjà la supernova. Donc j'ai eu le trou noir qui s'est déclenché. Et du coup, plutôt que d'avoir même la possibilité de prendre le générateur, hier, c'est ça qui s'est passé, c'est que je suis rentrée dans le trou noir. J'ai pas eu tellement de choix. Et du coup, comme j'ai eu la fin un peu chelou, après, j'avoue, j'osais plus trop toucher le truc, quoi. J'osais plus tellement m'approcher parce que, j'avais peur du trou noir. Oh non. Il va plus y avoir de lendemain. On a baigné le projet Sablière Noire. Et du coup, moi, je savais pas qu'il y avait plusieurs fins. Regardez, on a une belle vue, là. J'ai péri. Ah oui, effectivement, c'est pas le même générique que j'avais hier. Ok. Purée, y a même pas de musique, quoi. Wasted. Si, le papillon. Attends. Tu as pas accès? Non, je peux te le remettre. Ah oui, c'est parce qu'en fait, mon autre papillon, il est en il est en train d'être approuvé par Twitch. Attends, je vais te le remettre. Ah mais j'ai dû rater quelque chose, tu as fait quoi hier? Hier, j'ai cassé l'espace-temps. J'ai créé une faille temporelle. Moi, ça peut prendre plusieurs jours, hein, l'approbation de l'autre. C'est vrai que j'y ai pas pensé, j'aurais dû le remettre. Merci les playtesters. Oh là 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 là, d'accord. Ouais, du coup, l'autre générique là, celui que j'avais eu hier, il y avait plein de conneries au début. Je l'ai revu là tout à l'heure. Charger la sauvegarde précédente. Allez. Et la musique au cas où, ouais, c'est ça. Il y avait surtout les pouettes, 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 oui. Il y avait les pouettes, pouettes, pouettes. D'ailleurs, les premiers noms, c'était joueur de kazoo numéro 1, joueur de kazoo numéro 2. Ça m'a fait trop rire. Alors, attendez, ce qu'on va faire, on va aller sur Projet Sablière Noire. Ah putain, ça veut dire qu'il faut aller sur Sombre 11, quoi. Mais du coup, ça veut dire qu'on sauve juste notre cul. Je sais pas. Ou alors non, on se sauve. On va... Je sais pas. Du coup, tu comptes faire quoi? Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais t'étais pas encore là. Je vais sur Sablière Noire récupérer le générateur et échanger avec celui du vaisseau, qui est mort. Oh non, 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 il n'y a pas de problème. Je répète avec plaisir. Il y a du monde qui nous a rejoint en plus depuis, donc... Ça fait... C'est normal de répéter. Alors... Et oui, ce que j'ai dit aussi, c'est si jamais je termine rapidement. Parce que là, genre, il est 20h46, j'ai déjà fait une fin.
Je ferai peut-être des. J'essaierai de faire des succès. Je vous demanderai quel genre de. Quel succès est-ce que je peux faire, tout ça. Puis on se fera quelques succès comme ça. On va voir. Je sais pas. Là, bon. Pour moi, on n'a pas eu la vraie fin. Les deux fins que j'ai eues là, pour moi, ce sont des fins alternatives. Bon, il y en a une, je me doutais, hein, celle qu'on vient d'avoir là depuis le début. C'était à ça que je pensais. Mais je suspecte qu'il y ait une autre fin. Surtout que là, du coup, on n'a rien fait avec l'œil, quoi. On a le signal de l'œil. Enfin, je pense qu'on peut carrément essayer de le retrouver. Pas trop fatigué, ça va. La PLS est à quel niveau? En vrai, j'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai bien dormi. Les quelques heures dont j'ai dormi, donc ça va. Et vous, ça va? Il y a un DLC aussi à faire après. Ouais. Par contre, pour être honnête, je pense pas que je vais le faire tout de suite, le DLC. Pour la simple et bonne raison qu'en juin, je vais être partie pendant une grosse semaine, la deuxième semaine de juin, pour le festival d'Annecy. Je verrai, je vais peut-être faire un live ou deux en étant au festival, mais genre un live IRL. Pas un live où je joue ou quoi, mais un live où je sais pas, je me balade dans le festival, on verra. Si ça vous intéresse, sinon peut-être pas. Et du coup, je pense que je le commencerai fin juin ou voire même début juillet. On verra. J'étais tellement levée à 11h. Oh la chance. Oui, c'est clair. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont dû attendre le DLC. Il est sorti quoi? Au moins un an après, non? Au moins un an après le jeu. Je l'ai déjà sur moi. Oh. Ah, j'espère que ça va me mener quelque part, là, mon idée. Ou sinon, on part sur Subnautica. Je sais pas trop. Mai. Oh putain, j'ai failli le finir à sa date d'anniversaire. Bah si, ceci dit, j'ai eu une fin hier. Hein. Ah mais c'était ce matin très tôt, donc non, le 29. Septembre. Ah ouais, 2021. Ouais. Deux ans après, quoi. Le craft et le troc avec le PNJ. Cette femme là de troc. Donc là, le plan, je vais dans sa billard noire, je récupère le générateur, je vais jusqu'au vaisseau sur son bronze, je change le générateur, je mets le générateur de sa billard noire et on voit ce qu'il advient. Qu'est-ce que... Pardon, le chat a mis pause. Attendez. Avec son gros cul. J'ai la moitié de l'écran qui est bloqué du coup.
Vous croyez que c'est un bon plan? J'espère que c'est un bon plan. Si ça c'est la fin... C'est un peu triste. Pas de body shaming, non, promis. Si c'est ça à la fin, ça me rendra triste dans le sens où je la prends pas trop au sérieux là. Et mon guetteur? Bah alors? J'arrive pas à sortir mon guetteur. Ah, voilà. Est-ce que j'ai même le temps? Je pense que j'ai le temps quand même. C'est juste la partie son bronze qui m'inquiète. Ça fait longtemps que je suis pas allée dessus. Ok, c'est parti. Je rappelle mon guetteur. J'ai prévu des croquettes pour les poissons. Tout à fait. Toujours, toujours prendre des croquettes avant d'aller sur son bronze. C'est ça le secret. Ils étaient forts ces nomailles. J'imagine qu'ils le sont toujours, mais... Retirer le générateur. Oh, il n'y a plus la lumière. En fait, c'est comme ça qu'on le voit quand on est avec la pierre de projection. Vite! C'est le moment! Vite! Ok. C'est quoi cette musique? Non mais arrêtez, j'ai du temps. The fuck? Genre ça déclenche immédiatement la supernova? C'est pour ça que j'avais énormément de temps tout à l'heure. Son bronze. Je vais jamais avoir le temps. Que j'ai fait peur au chat, il s'est barré. Je vais jamais avoir le temps. Attendez. Oh, ça me stresse de ouf. Je crois que c'est une idée de merde que j'ai. Je pense que c'est une idée de merde. Ça me stresse. Et je peux pas aller vite sur son bronze. Putain. Bon, je crois que je vais devoir le tenter plusieurs fois. Hein. Mais attendez, mais ça va pas marcher ce que j'ai fait, ça va pas marché. Ok. Indiqué. X, voilà. Oh putain, le son est différent. Il y a des idées sur tout, mais surtout des idées. Alors, je suis désolée, je vais pas trop vous lire là sur son bronze. Merde, j'ai pin le mauvais truc.
J'arrête pas de faire des conneries. Le vaisseau. Mais... C'est ultra stressant. Allez, vite, vite. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Continue. C'est sur un autre stream, monsieur. On avait dit vite, Isa, mais je me suis dépêchée. Justement, je me suis trop dépêchée, j'ai été repérée. J'arrêtais pas de me tromper et de marquer, de genre je marquais pas ou alors je mettais la tombe dans ma maille. Oh, putain, mais c'est tellement stressant. Attendez, je vais tout de suite marquer. Comme ça, je gagne du temps déjà. Voilà. Bon, sablière noire, c'est parti. Je me demande qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va sur le vaisseau pour aller... En vrai, je sais pas trop à quoi ça nous sert d'aller au vaisseau, parce que de toute manière, le vaisseau, il est mort, quoi. Ça nous sert peut-être à découvrir de nouvelles choses. Mais du coup, notre petit Atrien s'en souviendra plus. Parce que là, il périt à chaque fois, quoi. Du coup, je sais pas trop à quoi ça nous sert ce qu'on fait, j'avoue. J'aurais jamais le temps. Genre, aller sur le vaisseau. Découvrir les trucs qu'il faut découvrir. Peut-être essayer d'aller sur l'œil. Essayer peut-être éventuellement de nous enfuir là où il y a les autres nomailles actuellement. Ça me semble quand même chaud, quoi. Parce que, ok, c'est plus long, la supernova, là, mais c'est pas non plus... Je sais pas, on a attendu quoi, une dizaine de minutes ? Ma fusée va se faire emporter. On n'est pas sorti du sable, hein, les amis. Je suis surexcitée. Ok, ça va arriver bientôt. Ça s'en vient, ça s'en vient. Boum. À dispo le proto-papier du jeu sur son compte Twitter.
Alors. Oh, je suis ultra stressée. Dès que tu prends le générateur, ça déclenche la supernova, quoi. Comment ça se fait, ça ? Ah oui, bah si, parce que ça ralentit. Probablement. Ouais, qu'est-ce qui fait que ça déclenche la supernova? Générateur de distorsion. Il permet de faire la boucle de 22 minutes. Il permet de ralentir le temps, il me semble. Donc ça doit être pour ça. Comme on enlève le générateur, ben, la supernova, en réalité, elle a déjà déclenché. C'est ça que je suppose, mais... Son bronze me stresse vraiment beaucoup. J'ai peur. J'ai peur des poissons. Ils sont méchants, les poissons. Franchement, j'ai cru que ce jour ne viendrait jamais. Déjà, là, les deux fins qu'on a eues, j'ai cru que ça arriverait jamais. J'étais tellement lente. Vite. J'espère que c'est bien placé. On est dans une boucle. Oui. Mais ça n'empêche pas ce que je dis. Enfin, j'ai l'impression. Oh, j'ai eu peur. Ok, allez, go. Oh, j'espère que je vais pas devoir le refaire 40 fois. Hein. Allez mon gars, allez. J'aurais dû calculer le temps tout à l'heure que ça m'a pris. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. La fusée.
que là, je vais me prendre le soleil. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Allez, 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 on se prend pas le soleil. Hors de question. Ok. Stressé là. J'ai des fourmis dans la main. J'espère que je sais plus trop du coup. Ça fait longtemps que je l'ai fait, j'espère que je me suis pas trompée. Putain, je crois que je me suis trompée. Je sais plus. Je me suis trompée. Je me suis trompée, c'est le rouge. Vous pouvez me dire, c'est le rouge ? C'est le rouge. On s'en fout. Je me suis trompée, bordel. Merde. Ah non. Si. Je me suis trompée. Chier. Voilà, vous pouvez me dire quand même, ça y est, maintenant j'ai débloqué le truc. C'est juste un oubli. C'est pas comme si je l'avais pas fait. Je touche à rien. Le dos droit. Pour rien. Ouais, je l'ai. Pardon, je l'ai bougé tout à l'heure pour montrer le chat. Putain. Ah, je crois que c'est mort. Putain! Non, 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 non! Faut pas que je crie. Oh putain, fais chier. Silicium, tu comptes? Oh merde, putain, j'étais stressée. Oh, fais chier. Mais là, je veux pas faire passer le temps sur le feu. Enfin, si. Ouais, quelques minutes. Ouais, quelques minutes. Mais je sais pas exactement. Oui, c'est vrai que t'as raison. En vrai, une fois qu'on déclenche la supernova,
Non, je veux pas me griller une mot, quoique. Petite pause sieste. Combien de temps? Peut-être 5 minutes. Ouais, j'aurais pas dû bouger. Bon, faut que j'aille directement sur le rouge. Minutes 40. Ben, en soi, c'est vrai que là, ça a pas tant d'importance à partir du moment où... Hey, 39. C'est à partir du moment où la supernova commence que ça devient chaud. Ok, allez, je repine sur son bronze tout de suite, comme ça. C'est déjà ça de fait. Ensuite, sa bière noire. Le pire, c'est que je sais même pas exactement ce que ça va me donner, ça. Je suis pas sûre que ça va me faire une autre fin. Où sont les sablières? Ils sont derrière le soleil. C'est ça? Vous êtes derrière le soleil? On dirait même pas. Ils sont où? La carte. Suis-je bête? Ah si, c'est là. Purée, je suis allée loin. Iriou, ça va? Allez, on y go. Ah, je sais pas, tu balances des répliques de films comme ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je vais laisser le pilote automatique faire. Ok. Stop. Voilà. Go. Purée, j'ai trop peur. Son bronze me terrifie. Bang. Je crois que le sable vient de passer là, non? C'est dommage, j'étais bien partie. Je me fais une mousse au chocolat à l'ancienne de Marie Morin. Oh vas-y, tu vis ta vie, ta meilleure vie. C'est le dessert ultime en ce moment. Tu me donnes envie d'une mousse au chocolat là. C'est si bon que ça? Je me demande à quel point je me fais chier pour rien. Mais non, je pense. Franchement, il y a forcément un truc. Il y a forcément un truc. Il y a 8000 calories dans un pot. J'en ai rien à foutre. J'essaye d'en faire une meilleure. Faites maison, mais elle s'en va bien. Oh non, je suis sûre que c'est faux.
Faut mélanger les chocolats. Et les types de chocolat. Allez, go. Mon guetteur qui se barre. Ma fusée, elle est là-bas. Moins bien réussi que tout à l'heure, mais bon, ça va. Oh, le stress. Sombrance. Le vaisseau. C'est bon. Bon, je ne prends pas de risques. Me fait trop rire. Je sais pas comment me diriger vers le vaisseau, je viens de voir me baisser un moment.
je te déteste un peu là. J'ai le dos droit, c'est bon. Go, 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 go. Je suis en hyper... C'était bien là que je pouvais rentrer, hein. Oh putain. Fais pas n'importe quoi, s'il te plaît. Fais pas n'importe quoi. J'aurais dû remettre du carburant, putain. J'aurais dû remettre du carburant. Comment je peux faire? Ah, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire? Putain! Je sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Oh, j'aurais dû le remonter avant. Attends, avant de faire ça. Oh putain. J'espère que j'ai encore un peu de temps. Et alors là, qu'est-ce que je dois faire? Putain. Je sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. J'en sais rien, c'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. Je le fais avec la souris. C'est plus facile. Allez. Je sais pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? S'est passé d'autres choses aux alentours. Putain. Merde. Qu'est-ce qui est supposé se passer là? Bon. Je sais pas. Je pense pas que ce soit à cause de ça. Putain, ok, je sais pas. Oh merde. Ah, je pensais qu'il allait arriver un truc de ouf. Ouais, bon, il y a un truc de ouf, mais... Qu'est-ce qui est supposé se passer? Là, ça génère rien nulle part. Est-ce que ça m'a ouvert des portes ou des choses? Je pense pas. Non. Plus de carburant.
Non. Je vais aller rechercher du carburant maintenant. Qu'est-ce que je suis supposée faire ? Qu'est-ce que je suis supposée faire ? S'il faut que je relie tout. Je sais pas. C'était marrant ça. Je préfère du Racel. On t'avait dit de ne pas mettre de pile. Oh là là. Je vais crever, putain, juste à cause de ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non. Je ne sais pas ce que je suis supposée faire. Bah dommage. Ton clavier te démange. Oh putain, dites-moi. Qu'est-ce que je dois faire ? T'as déjà rencontré quelqu'un qui panique, à qui tu dis ça, qui arrête de paniquer ? Panique pas. Ah. Je me tâte à t'offrir un compteur de BPM pour Subnautica. Je pensais qu'elle ferait ce passage comme dans le speedrun, moi. Ok, bon, les recettes, je vais pas les lire. Il y a des gens... ouais. Putain, vous m'avez pas aidé, hein. Éternue. On t'avait dit de pas mettre des piles génériques dans le générateur, t'aurais dû mettre de l'energizer. Je préfère du Racel. C'était marrant ça. Les points. Mon clavier me démange. Regarde ton journal. Tu veux de l'aide ? Alors là, il y a vraiment littéralement tout. Pas d'aide. On peut rien dire, ça sert à rien. D'accord, chef Joss, composeur, pardon. Mais si, moi je crois que là je veux de l'aide. Pourquoi ? Regarde mon journal, mais je crois pas qu'il y ait écrit quelque chose à ce propos-là. On va regarder. Mais là, je pouvais plus regarder le journal. J'étais dedans. Et... Silicium a tout dit. Le vaisseau. J'ai retrouvé l'épave du vaisseau Nomai dans les entrailles. Oh, j'ai tellement stressé que là j'ai envie de faire pipi, c'est horrible. J'ai retrouvé l'épave du vaisseau Nomai dans les entrailles de Sombrance. Le générateur de distorsion du vaisseau est mort depuis longtemps. Est-ce que ça m'a rajouté un truc ? J'ai trouvé... Ah bah non. Je suis con. Il a pas de souvenir. Le générateur de distorsion du vaisseau est mort depuis longtemps. Sur le pont du vaisseau, j'ai activé un pilier trilatéral qui semblait être une sorte de dispositif de saisie. C'est tout ce que ça dit ? Sera dégoûté de pas avoir trouvé toute seule. Mais que dalle, je doute que je trouve... Je partiel pips, je déteste ça.
Non, non, mais ça va, ça va. Le vaisseau peut toujours recevoir des messages prévenant des autres vaisseaux Nomai. Les clans Nomai restants se rassemblent face à la mort imminente de l'univers. J'ai trouvé un enregistrement du premier signal émis par l'œil de l'univers que les Nomai ont détecté. Comme les Nomai craignaient que le signal ne disparaisse, ils sont passés en distorsion sans prendre le temps d'informer un autre clan de leur destination. Ah. C'est l'énigme ultime. Donc ça veut dire que je vais pouvoir partir en distorsion, alors peut-être que... Peut-être que je vais pouvoir me dégager de là. Mais par contre, ça veut dire que si on se sauve, on se sauve tout seul, quoi. Bah ma quête, c'est de faire déclencher le vaisseau. C'est de faire démarrer le vaisseau, je suppose. Après, là, le problème, j'ai pas fait de sieste, il aurait fallu. Là, c'est pas tant au niveau de la quête. Le souci, la réflexion globale, c'est je vais sur sa billard noire, je récupère le truc de distorsion, le générateur de distorsion, j'échange celui qu'il y a sur son bronze, et ensuite, eh ben, j'essaye de manipuler le truc pour le mettre en marche. Enfin, là, il est en marche, mais... Faire en sorte que... de faire quelque chose avec. Vous voyez, c'est pour ça que j'étais pas sûre qu'on finisse ce soir. Je me doutais qu'il y aurait encore des énigmes. J'ai aucune idée là. Oh, ça me saoule de jamais avoir vraiment d'idée. J'ai retrouvé l'épave du vaisseau Nomai dans les entrailles de son bronze. Le générateur de distorsion du vaisseau est mort depuis longtemps. Sur le pont du vaisseau, j'ai activé un pilier trilatéral qui semblait être une sorte de dispositif de saisie. Mais de saisie de quoi ? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un plan du vaisseau. Les Nomai tentèrent d'appeler à l'aide, mais le système de communication du vaisseau n'avait pas résisté au crash. Là, je vois pas comment est-ce qu'il peut m'aider le journal. Comment le journal peut m'aider ? Je vais aller pin le vaisseau. Et j'espère que je vais réussir à faire ça ce soir. Ah là 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 là. Mayday, 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 mayday. C'est marrant ça, c'est vrai que j'avais pas fait. On peut sortir par ici. Faudrait que je regarde dans sa billard noire s'il y a des endroits où on peut sortir directement. Ben non, en fait, c'est pas possible puisqu'ils l'ont scellé. Et du coup, ça sert à quoi d'aller ici ? Oh là là, j'étais si heureuse d'avoir réussi. Vous êtes très proche, l'intrus.
J'étais si heureuse. Vas-y, pousse-moi dans ma réflexion. J'ai envie de finir aujourd'hui. En vrai, là, moi, j'ai envie que vous me disiez le truc. J'ai juste envie de voir la fin, là. J'en ai marre. Alors, faudrait que je bidouille le machin, mais bon, alors déjà, il faut que j'arrive à faire tout le schmilblick avant. J'ai oublié de faire la sieste, alors bon, c'est un peu long. Je m'en excuse. Voilà. On va se poser ici. Faudrait que je bidouille le machin. Tite de ouf. Effectivement. Hey, y a des machins à bidouiller, c'est pas de ma faute. Je vais me faire choper là. C'est bon. On te dira pas. Attends, mais en 40 heures de jeu et quelques. Tu as appris beaucoup de choses, ce qui se passe ici. Repense un peu tout. Lire le journal et faire une réflexion globale autour du scénario et de ton objectif. Écoutez cet homme. J'ai envie de crever. Voilà, voilà où vous me menez. Lire le journal, mais non, mais j'en ai marre du journal. Putain, je fais que ça, lire le journal. J'en peux plus. J'aime pas lire. Je lirai le journal après. Qu'est-ce que je peux faire? Aïe. Tu as lu un bout du journal? Sinon, tu fais comme moi, tu piges rien et ensuite tu regardes des vidéos explicatives. Mais non, mais il faut bien quand même. Il faut bien quand même au moins comprendre. Comprendre l'énigme, Toxin. Si tu fais comment sinon? Elle pense que je me fous d'elle. Mais non, Mais juste. Felspath est en vie. Suite au crash de sa navette, Felspath a établi son campement à l'intérieur. Est-ce que... guidez-moi. Il faut que je lise... Il faut que je m'attarde sur le vaisseau. Il faut que je lise ailleurs que le vaisseau aussi. Eh bien, re-bienvenue, Iryu. Merci pour ton sub de nouveau. Ça y est, ça faisait déjà un mois? Tout. I will die. Tonight. Ah, t'as mon petit renard, je suis contente. Tout, mais non, mais pas tout, mais pitié, par pitié, mais comment, mais quoi? Mais tout va m'aider. Le générateur de distorsion du vaisseau se brisa lorsque on est d'accord que là le temps s'arrête, hein. Tout autour du projet sablière noire et connexe. Je l'ai passé au niveau 2 pour... parce que je suis un gros. D'accord. Eh bah écoute, bienvenue niveau 2. Le générateur de distorsion du vaisseau se brisa lorsque le vaisseau s'écrasa sur son bronze. J'ai retrouvé l'épave du vaisseau Noma et dans les entrailles de son bronze, ce générateur de distorsion du vaisseau est mort depuis longtemps. Sur le pont du vaisseau, j'ai activé un pilier trilatéral qui semblait... être une sorte de dispositif de saisie. Mais là, vous êtes en train de me dire... Lis mon message tout autour du projet Sabillien. Oui, j'ai compris, mais... Vous êtes en train de me dire que... la solution à savoir qu'est-ce que je dois enclencher se trouve dans le journal de bord.
Non, mais parce que ces quelques derniers jours, je l'ai quand même lu beaucoup, mon journal de bord. Ok, je l'ai peut-être pas lu ce soir, mais je l'ai lu hier soir. Je l'ai lu là toute la semaine dernière. Sur le pont du vaisseau, j'ai activé un pilier trilatéral qui semblait être une sorte de dispositif de saisie. Les Nomailles tentèrent d'appeler à l'aide. Mais le système de communication du vaisseau n'avait pas résisté au crash. Le vaisseau peut toujours recevoir des messages provenant des autres vaisseaux Nomailles. Les clans Nomailles restants se rassemblent face à la mort imminente de l'univers. J'ai trouvé un enregistrement du premier signal émis par l'œil de l'univers que les Nomailles ont détecté. Comme les Nomailles craignaient que le signal ne disparaisse, ils sont passés en distorsion sans prendre le temps d'informer un autre clan de leur destination. On sait pas, mais on te dit quand même beaucoup de le lire, donc bon. Ouais. Les survivants de la capsule de sauvetage 3 suivirent l'une des deux balises du vaisseau. Les Nomailles parvenaient à entendre le faible signal. Attends, je regarde si... Non, j'ai pas de nouveau truc. Une cavité creusée à l'intérieur de la sablière noire. Les câbles d'énergie à la surface sont connectés à une enveloppe protectrice au centre de la planète. Il y a 8 monolithes auxquels sont fixés des masques Nomailles. Parmi ces masques, 3 reçoivent des données provenant respectivement du module de pistage, de Léviat et d'Atrebois. Le projet Sablière Noire visait à tirer parti de l'énergie générée par une supernova obtenue au moyen de la station solaire, afin d'envoyer les données de la sonde issue du lance-sonde orbital 22 minutes dans le passé. La station solaire n'a pas fonctionné. Bien que le projet Sablière Noire fût théoriquement viable, les Nomailles ne parvinrent pas à l'alimenter. Il y a un générateur de distorsion avancé à l'intérieur de l'enveloppe protectrice au centre de la planète. Retirer le générateur désactivera le projet Sablière Noire. Le point d'alignement d'un tour de distorsion n'est pas son récepteur de distorsion en réalité. Une tour de distorsion s'aligne toujours avec le centre du corps astral correspondant. Le récepteur de distorsion doit être situé sur le corps astral en question ou en orbite proche. Les sablières sont si rapprochées qu'elles agissent comme un corps astral unique et partagent ainsi le même point d'alignement. Toutes les tours de distorsion étaient construites sur la sablière noire, tandis que les 6 récepteurs de distorsion étaient conçus dans des endroits différents. Une Nomaille nommée POC réussit à forger un générateur de distorsion avancé pour le projet Sablière Noire. Un diagramme montrant l'angle d'alignement entre une tour de distorsion et son corps astral correspondant. Les angles d'alignement des tours de distorsion ne sont pas exacts. Il suffit qu'ils soient compris dans une marge de 5 degrés par rapport au centre du corps astral. Il en résulte des créneaux de distorsion légèrement plus longs qui durent plusieurs secondes environ. J'ai compris. Ok. Je crois que j'ai compris. Oui, désolé, j'ai un peu crié, alors je pense que ça l'a réveillé. Ok, je pense que j'ai compris. Ok, on y go. Merci pour votre aide. Allez, j'ai mon... Non, je le balance. Désolé, je me suis impatientée. Tiens, tiens, tiens. Ouais, bon, d'accord. Tu verras, paume. Mais je pense que j'ai compris.
Allez, c'est parti. Mais si, je vous fais confiance, je vous fais confiance. Pardon, je suis désolée, pardon, pardon. Je vais faire ma rédemption. Désolée. Je vais faire le walk of shame. Bon. En gros, je paraphrase. C'est quoi qu'elle a compris? Bon, ok, alors, je vous le dis. J'ai compris qu'il faut insérer le texte. Je sais pas si c'est un texte ou quoi. Sur le portail. Je sais pas, comment ils appellent ça? Le truc du vaisseau. Je sais pas si c'était très compréhensible. Faut que je redessine dessus. Par contre, si je mets pause, ça s'arrête ou pas? Oui. Ok, alors attendez. Faut que je le dessine. Ah là, par contre, j'ai pas... Merde, j'aurais dû le dessiner avant. Ok. Parce que j'ai oublié que j'aurais pas mon vaisseau sur moi. Ok. Nigo. Je veux savoir le dessiner. Bon, je sais pas. Bon, on va voir, hein. Peut-être que c'est pas ça. Hein. Pourquoi j'ai pin le module de pistage? Oh là là, y'a rien qui va. Bon, y'a rien qui va. Et on est parti. Je sais un petit peu dessiner. Elle a pas vu mon message, elle a vu sauve. Merde, c'était quoi? Oh, je suis de la chance. Merde, j'ai... Oh, c'est vraiment la pire run là. Bon. Je sais pas si on va y arriver, je suis tellement lente. Je te prêterai ma Twingo. Alors... Je veux une vidéo comme les Japonaises qui s'excusent publiquement à la TV là. Non mais Silicium, t'es chiant à dire le journal, c'est bon, je le connais par cœur, bouffon. Mais non. Ah là là. Mais après, peut-être que j'ai tort. Mais attendez, mais en fait, mon vaisseau fait du bruit. Mais on est mort, mon vaisseau fait du bruit, je pourrais jamais y arriver. Vu qu'il est endommagé. On va voir. Ça va être la surprise. Là, on va prier, hein, parce que vu qu'on vaisseau fait du bruit, j'ai pas l'impression que ça s'entende à l'extérieur.
Ça a pas l'air de les gêner plus que ça. Je crois que on a perdu Joss Composer. Je fais trop de bruit ce soir. Non, c'est Manuel dans son bronze, à chaque fois. J'ai peur. Il loupe pas grand chose, non, j'avoue. Soutiens Joss. Ouais, non, je crie trop là. Faut que je me calme. Je vois un Célacanthe là-haut. Oh là là, j'espère qu'on va avoir quand même du temps. Ah, au contraire, je suis enfin tranquille. Cool. Et ouais, c'est 4. Une dingue. C'est un complot. Complite. Complot. Putain, j'espère que je vais avoir le temps quand même. C'est quoi ton vélo, Iryu? Tout le monde s'en fout de ma voiture à moi. Non, si, j'ai vu. Elle est verte. Sumimasen! Sumimasen deshita. Faut pas que je fasse de conneries. J'ai encore oublié de mettre du carburant. Bon. On va prier. Ok. 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 Par contre, j'espère que c'est... bien ça. Je suis pas sûre... Je suppose que c'est ça. I hope.
Ça s'est refermé derrière moi. Qu'est-ce que je suis supposée faire maintenant? Bon, Subnautica? Tous les clans d'Omaï, ouais, entendent mon message, il est clair que l'univers se meurt, les ressources et les lieux sûrs se font de plus en plus rares. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à un œil comme ça, mais... Attendez un truc de fou avec des machins et des choses et un message profond et en fait non, faut juste Alt F4 quoi. Quoi? Alors là, je crois que je me suis... Enfin, c'est cool, mais je me suis un peu fait baiser quoi, parce que je vais pas pouvoir y retourner. Ah, j'ai... Plus beaucoup de carburant. Oh putain. On est sur l'œil. On est sur l'œil. Donc, qu'est-ce qu'on a autour de nous? Ça, c'est notre soleil. Ah ouais, c'est loin. Là-bas, c'est quoi? C'est Léviat? Oula. C'est la lune! Ah bah oui! C'est la lune quantique! J'ai peur d'utiliser mon carburant. Ah, voilà. Bon, faut faire gaffe, hein. J'imagine que là, si je fais ça, ça va être autre chose. Oui. Oh là là, comment je peux faire? Faut que je plante mon guetteur pour avoir... Je sais pas. Qu'est-ce que je suis supposée faire, là? Oh, mon vaisseau a disparu. Oh là là, oh! C'est notre soleil! Ah bah je crois que je vais bientôt mourir. Oh non! Toute notre famille et tout.
Je peux plus le rappeler. Oh putain. Oh là là. J'ai envie d'aller là-dedans, mais c'est irraisonnable. Ah. Mais c'est le... Je crois que derrière, c'est la supernova là qui est en train de se passer. Ça va bientôt exploser là, j'ai l'impression. Je sais. Qu'est-ce que je suis supposée faire ? Je crois que j'ai pas d'autre choix que d'essayer d'aller là-bas. Hein. Minutes d'oxygène. Oh, j'avais oublié ça. Bon bah... Allons crever. Oh, fait chier. Ah, c'est... Oula. Oula. Il y a des rochers quantiques partout. Ouais, c'est dommage sans mon guetteur parce que ça serait pratique là le guetteur. Merci de penser à mon dos. Ouh là là. Oh putain. Si je vais dedans, là, je vais sur la lune quantique. C'est vraiment Van Gogh qui est venu ici, qui a tout repeint. Bien, eh bien, oula. Oh non, j'étais pas prête pour ouvrir un trepoids.
On est de retour sur son bronze. Je reconnais ce son. Ce son, c'est moi, ça. Ah. Tout à l'heure, j'essayais d'appuyer sur la lampe torche, ça marchait pas. Pourquoi je l'ai perdu? Mais j'ai appuyé sur... Ça m'a fait perdre le signal. Je crois que je vais être dans la merde sans mon guetteur là. J'ai scare. Tu entends la musique?
Désolée, je parle pas. Je vis le truc. J'ai entendu la musique. Oui. Ah, mais il y en a peut-être d'autres alors. Ah, il a bougé. Ok. Ah bah voilà, ok. Ah non. Chose comme musique. Ah. Bah voilà, on peut collecter des objets. Oh, Riebeck est là. Parler à Riebeck. L'heure n'est pas encore venue. Je crois bien qu'il va nous falloir les autres pour la suite. On aura besoin de tout le monde, quoi. Rien ne presse, prends ton temps. À supposer que le temps existe ici. T'avais raison, j'aurais dû faire pipi tout à l'heure. Je vous le ramène, le petit poisson. Ah ! Le craft commence. First path. Il est tout petit. Petite Pierre, comment on se retrouve? C'est bon d'avoir un peu de compagnie autour du feu de camp, hein? Allez, va chercher les autres. Tu ne voudrais pas qu'il manque la fête quand même. Attendez, je pense. Je vais aller déjà chercher ceux que je connais. J'entends Gabro en même temps. Bon, je vais aller chercher Gabro. Mais le piano? Bah oui, je suis hyper curieuse, mais je veux garder pour la fin. Putain, ok, je sais pas. Non, je vais chercher Gabro. J'avoue que mes instincts m'ont pas forcément joué un bon tour jusqu'à maintenant, mais bon. Across Old Park. Gabro, tu peux arrêter de bouger? Non, ok. In the Ancient Glade. It's always dark. Gabro sur son hamac.
Heureusement, ça va au niveau du carburant. Coucou Gabro. Salut, tourne en boucle alors. Comment ça tu réunis toute la troupe? Alors comme ça tu réunis toute la troupe? Vas-y, ramène les autres, je reste dans le coin. Tu n'as pas besoin de moi pour l'instant, mais ça viendra. Bon. En fait, j'ai juste peur que le piano il disparaisse. Oh putain, j'espère qu'il me faut pas mon guetteur. Ah, je peux collecter comme ça, ok. D'accord, ça marche. Qu'est-ce que vous faites? Ça m'a perturbée. Pardon, j'ai des fourmis dans la main. J'ai trop peur. Putain, mais j'ai même pas été au feu de camp là, je suis en train de me rendre compte. Il aurait fallu que je retourne au feu de camp. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est bon. Ok. C'est trop beau le piano. Observateur conscient est entré dans l'œil. Je me demande ce qui va se passer à présent. Le moment est-il venu de le découvrir? Oui. Cette chanson est nouvelle pour moi, mais c'est un honneur d'en faire partie. Je peux jouer? Oui. Pas encore? Valérie Beck, je peux commencer? Oui. D'accord, je ferai de mon mieux. Qu'est-ce que tu en dis, mon galet temporel? On lance la musique? Oui.
Pardon, je m'en remets un peu là. Je vois encore la musique. Pardon, tout à l'heure j'ai rigolé parce que Joss m'a ramené une boîte de mouchoirs. Vous avez péri. Trop bien. Ouais, les enfoirés, hein. Ils étaient obligés de nous remontrer tout le monde.
Merci pour ton abonnement, Poum. Désolée. J'arrive pas à me calmer là. J'aurais pas dû me maquiller. Je le savais. Je vous lirai après. Mon guetteur, il est revenu. Putain. J'ai la mort. Ah, je voulais virer ma cam 40 milliards de fois, mais bon... Ça me fait. Ça fait couper à chaque fois la musique et puis. Ça me fait des bugs avec ma manette donc j'ai pas fait. Je voulais pas couper le moment. Du coup, vous avez eu ma ugly faces jusqu'à la fin. Ugly face. Parce que j'en ai pas plusieurs a priori. Bien joué, tu as savouré le jeu comme il le fallait, je pense. Ouais. Je reconnais l'écran titre. Il y a quelque chose qui a changé sur l'écran titre, merde. C'est la fin du jeu. Nuit. Ah mais oui, t'as raison. Attends, ben non. On n'a pas notre vaisseau à la fin. Y a ton vaisseau, donc pas trop. Oui, c'est ça. J'ai envie de zoomer. Je peux pas zoomer. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai que ça a changé. Puis t'es seul. Bah non, il manque tout le monde. Enfin, c'est moi seule, ouais, au niveau du feu. Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est à peu près ça. Mmh.
J'essaye encore de m'en remettre. Alors, je vous lis un peu. Je sais pas jusqu'où je remonte. Merci beaucoup pour les subs et tout et tout. Et là, on entre dans la presse, c'est dur aussi. Il y a le DLC, oui. La musique incroyable, bah oui. Mais ce qui compte, c'est le voyage. Je vous laisse là. Ah, bah salut Toxin, désolé, il a déjà dû partir. Bientôt la découverte de le bateau. Ah, c'est donc dans le DLC. Salut la Silice. On sait ce que c'est. On est là pour voir, oui. Scène post-crédit, 14,3 millions d'années plus tard. Le petit guetteur, bravo ton guetteur. Outer Wild, on valide. Bah, ouais, hein, quand même. Non, ça n'a pas changé, juste avant. Bonne soirée à toi quand tu liras ça et merci, tu t'en vas. Bonne soirée, Silicium, merci beaucoup. Ouais, bah, moi aussi, hein, en vrai. Vu la soirée qu'on s'est tapé hier, là, les 6 heures de live, je vais pas. Cette fin bâclée, vraiment abusée. Cette fin bâclée, bah non. Me dis pas que j'ai bâclé la fin, je crois pas. Hein. Ouais, ok, d'accord. Bonne soirée à tous, bonne soirée, Poupou. Je regarde si vous aviez le piano. Alors, qu'est-ce que ça vous fait là d'être à la fin? Manquait 2-3 trucs, mais pas grave, tu verras plus tard. Ah bon? Oh non. Non mince, j'ai pas tout vu. Top tes lives, c'est gentil, merci Poupou. Ça vous fait toujours quelque chose alors d'arriver au bout ou J'imagine que oui quand même. Je suis pas vraiment quelqu'un de très émotionnel et qui pleure facilement, mais cette fin de... ouais. Ça fait comme d'hab, on en veut plus, ouais. Et la fin fait quand même mal, ouais. Ah, m'en reparle pas. J'ai la gorge qui est serrée. Ça me fait un peu comme la fin d'un Miyazaki, c'est... On peut pas trop retenir les larmes, quoi. Du coup, à la base, je voulais zing-zinguer et tout à l'intérieur du jeu, mais là, j'ai pas le cœur à ça du tout. Je vous avais dit que je vous ferais peut-être des succès que j'avais pas pu, mais là, non. Je crois qu'il faut que je digère, là, ce qui vient de se passer. Ça a été un super let's play, merci. Merci à vous. Je m'en doutais, ouais. Je pensais pas que j'aurais été autant émotive. Je me doutais que j'allais pleurer un peu, mais pas à ce point-là. T'as réussi le jeu toute seule, les 99,98% d'après des calculs précis. Félicitations, merci. C'est profond, ouais. Et j'avoue que j'ai pas. Là, à la fin, j'ai pas tout compris. Ainsi, on a rejoint l'œil. Ensuite, on a été propulsé à l'intérieur de l'œil et on est mort. Et la supernova a explosé. Soit. Et ça nous a propulsé dans notre monde. Genre c'est six mois avant de mourir ou un truc comme ça quoi. Oh putain, désolé.
va falloir digérer là. Le cycle de la vie. Ouais, tu parles. Bon, au final, j'ai pas été spoilée par les gifs. Hein. J'étais partie du principe qu'il y avait le DLC, alors ça allait, mais le pire, c'est quand j'avais fini le DLC, j'étais à bout, car je savais qu'après, ça, c'était la fin, donc t'inquiète, l'aventure continuera plus tard. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais pas tout à fait. Je suis pas d'accord avec ça. En vrai, je pense que la personne de YouTube avait raison. Et que du coup, ça fait, c'était ce que j'expliquais, ça fait pas de logique là de retourner dans le jeu maintenant. C'est pas logique de retourner dans le jeu. J'imagine que tu comprends un peu mieux le culte que de nombreuses personnes vouent à ce jeu. Ouais, c'est sûr, mais bon. Vous êtes un peu frappadin quand même. Hein. Je rigole. Faut se dire, la dernière fois, j'ai voulu faire essayer le début du jeu à un pote pour le convaincre, mais dès que le jeu s'est lancé, j'ai chialé. Oh bah ouais, j'ai encore chaud dans ton esprit. Ouais, ah, c'est pour ça que je vous ai dit, moi là, je vais avoir besoin de temps. Non, pas logique, mais avec un peu de temps, tu voudras y retourner. Non, mais c'était bien ce que je disais. C'est que c'est pas logique d'y retourner après. Et qu'effectivement, au niveau de la continuité de l'histoire, ça fait pas sens d'y retourner. Là, j'ai pas forcément envie de retourner dans le jeu. Très sincèrement. Après une petite pause, tu verras, te dire que tu auras d'autres choses à découvrir te donnera envie. Ouais, ouais, probablement. Ça fera sens plus tard. Ouais. D'accord, ça marche. Je me doute. Bonne nuit à vous, merci encore de m'avoir gâté tout ce temps sur Outer Wilds, d'avoir été là, de m'avoir soutenue, de m'avoir aidée, de m'avoir guidée avec autant de gentillesse et de patience. Malgré mon humeur parfois massacrante, surtout sur la fin. Merci pour vos subs ce soir, et puis pour vos beats, vos cheers, tout ça. Je vais avoir du mal à m'en remettre, mais j'espère que je vais pas trop pleurer cette nuit. Tu as été très pipou. Ouais, ça va, j'ai pas été trop insupportable. Des fois, je me revois, j'ai vraiment l'impression d'être insupportable, mais bon, c'est pas grave. Trop bien aussi, vraiment, je l'aime trop. L'emoji, ouais, moi aussi je l'aime bien, j'avoue. Soyez heureux. On se retrouve bientôt sur Subnautica. Allez, ciao.